Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine Métal Industrie du site machine-outils.com. Éric Girardet de Dimeco nous présente plusieurs équipements pour le changement rapide des outils de presse ainsi que pour la manutention et le changement des bobines de tôle. Donc à l'occasion du salon d'Hanovre, Dimeco a décidé de présenter cette année la gamme Rotobloc avec des engins de manutention, dont le TPI, un engin qui est destiné à venir placer un outil sur une presse sans effort et rapidement. Grâce à ce système, on peut déplacer un outil très facilement sur le système. Nous avons des crochets qui sont de grande taille ou de petite taille suivant le besoin et la dimension de l'outil ou de la table de presse. Je peux donc utiliser mes deux crochets à volonté. Une fois mon outil en place, j'ai un système de roulage sur ma table hydraulique, donc que je vais descendre et je viens brider mon outil. Donc j'ai bridé mon outil en 2 secondes et demie, ce qui est très rapide, et je peux brider n'importe quel outil de n'importe quelle dimension avec une épaisseur. L'épaisseur n'a aucune importance puisqu'en fait on peut brider tout ce qu'on veut avec le magnétique. Je vais débrider mon outil. J'utilise mon système de roulage et je viens pousser mon outil sur mes consoles. Si je n'ai pas de chariot, je peux utiliser des consoles et reprendre mon outil avec un pont roulant ou avec un chariot élévateur traditionnel. Donc nous présentons également le liftmatique avec un système de bridage azote. Donc ici j'ai une pompe pneumo-hydraulique qui me permet de débrider, puisqu'en fait avec l'azote j'ai un petit réservoir d'azote dans ma bride et donc je n'ai pas de pression hydraulique dans mes tuyaux quand je travaille avec ma presse. Le tuyau peut se couper, ça n'est pas un problème. Ici nous présentons le liftmatique électrique, un engin équipé de billes qui permet de déplacer un outil très facilement, mais également des billes escamotables qui permettent de déplacer l'outil en toute sécurité. Ce qui permet de déplacer le chariot seulement quand les billes sont en bas. Nous avons une sécurité à l'intérieur. J'ai des sécurités tout autour. Je viens déplacer mon outil toujours sur du roulage hydraulique. J'ai mes brides azote et je viens brider. Ensuite, nous présentons le pick and tilt. Donc, c'est un engin qui est destiné à prendre des bobines soit à plat sur une palette en bois, soit sur une pile de bobines. Et nous venons prendre juste la bobine du dessus. Ça permet de la retourner en toute sécurité sans abîmer la bobine. Et surtout, ça va nous permettre d'aller charger la bobine directement sur le dévidoir pour qu'elle puisse partir en production directement. À la fin de la production, si la bobine n'est pas entièrement finie, je peux, grâce à cet engin, aller récupérer ma bobine sur le dévidoir et la remettre en stock. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.